Bonsoir à tout le monde qui a pu nous joindre ce soir. Nous allons commencer avec notre présentation qui fait partie de la série de séminaires de web de développement professionnel pour Arbitre 2019. Nous sommes sur la deuxième module. Nous allons discuter les variantes selon le groupe d'âge. Juste pour vous rappeler, vous avez une option pour être capable de demander des questions dans la boîte de questions sur votre panneau de contrôle. Et puis, vous pouvez aussi envoyer des messages de chat, mais je pense que c'est plus facile avec des boîtes de questions. Alors, nous allons commencer avec la présentation. Alors, vers la fin du séminaire ici, j'espère que tous nos participants auront une compréhension de comment ce module s'intègre avec le profil de l'arbitre que nous avons créé à Rugby Canada. J'espère aussi que nous aurons une compréhension des variantes de moins de 19 ans de World Rugby et de Rugby Canada. Nous aurons aussi des exemples de comment arbitrer ces variantes pour utiliser comme point de référence. Alors, quand vous allez pratiquer, notamment pendant la saison scolaire et secondaire ou primaire, si c'est ça le cas, vous avez des points de référence que nous allons discuter, notamment en ce qui concerne la gestion du match et la gestion des joueurs en plus. Et finalement, nous serons rappelés de l'importance du santé des joueurs et du gestion du jeu déloyal, un aspect du jeu de rugby très important. Et nous allons faire un petit revue là-dessus. Alors, l'arbitrage des variantes selon le groupe d'âge par rapport au profil de l'arbitre. Il y a quelques aspects importants que nous aimerions discuter. On veut essayer d'avoir un accent qui est, pardon, l'accent est sur une approche holistique du profil de l'arbitre ici. Alors, dans ce qui concerne certains modules, nous allons discuter probablement certains aspects plutôt techniques, plutôt tactiques ou plutôt de gestion de match au cours de l'année. Par contre, ce module-ci, en temps d'arbitrer les moins de 19 ans et en dessous, c'est plus dirigé à ceux qui, pardon, à un aspect du profil qui est un peu plus compréhensif. Alors, avant d'entrer dans certains détails plus spécifiques, nous devons demander une question assez importante. Qu'est-ce que nous voulons voir au niveau des groupes d'âge par rapport aux joueurs dans un match de rugby? Alors, l'aspect le plus important est évidemment la sécurité. Deuxièmement, on veut s'assurer d'avoir un peu de continuité. Et finalement, on veut avoir le plus de touches du ballon parmi les joueurs que possible. Alors, est-ce que ça nous donne un peu de flexibilité? Et nous allons en discuter un peu après dans nos décisions plutôt techniques. Alors, si nous regardons certains de ces aspects un peu plus spécifiques, en ce qui concerne les aspects techniques du rôle de l'arbitre et dans ce que nous avons ici comme facteur clé pour l'arbitre, je pense si nous avons un focus sur le plaqueur et nos aides plaqueurs en tant qu'ils doivent se relâcher clairement et s'écarter du ballon assez vite pour qu'on puisse essayer de jouer un petit peu plus. Pas nécessairement rapidement, le ballon ne sortira pas nécessairement plus rapidement si nous n'avons pas cette, disons, focus sur le plaqueur ou les plaqueurs. Par contre, ça nous donne une bonne plateforme pour essayer d'avoir une situation de plaquage ou un roc beaucoup plus clair avec moins de joueurs au sol. L'aspect tactique ici, en ce qui concerne les facteurs clés, je pense c'est bien évident on peut toucher la plupart de ces facteurs ici, notamment celui celle du
communication, se rassurer que, pas en société de gestion, mais notamment dans ce qui concerne bien jouer l'avantage pour l'instant et récompenser les mêlés dominés, c'est peut-être un aspect plus senior, mais je pense pour moi le plus important, c'est le jugement du contexte du jeu et récompenser les équipes avec l'espace qu'ils ont gagné. Le moins de pression illégale qu'on peut mettre sur les joueurs, je pense le plus de succès on va avoir en temps d'avoir cet aspect de continuité et ces touches de ballon. Alors, le fait d'avoir des bonnes lignes d'hors-jeu claires et une défense honnête en tant de ce qui nous donne un moins de pression illégale, je pense que ça nous fait, comment dire, se préparer pour avoir plus de succès. Et finalement, dans ce qui concerne la gestion du match, évidemment, il y a zéro tolérance pour le jeu déloyal. Ça, c'est l'aspect le plus important. Évidemment, la communication est aussi un aspect assez important, être capable d'avoir tous les joueurs, tous les entraîneurs et les spectateurs, s'il y en a, être sur la même page. Par contre, cet aspect de zéro tolérance pour ce jeu déloyal, je pense que si c'est un focus pour l'arbitre, et c'est compris par les entraîneurs que c'est quelque chose qui ne sera pas toléré, je pense on aura plus de succès dans nos matchs. Alors, les variantes de moins de 19 ans de World Rugby et de Rugby Canada. Alors, ce que je veux faire ici, c'est d'avoir un peu de discussion de ce qui sont ces variantes et qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme arbitres. Alors, ceci ne sera pas une liste compréhensive de toutes les lois du jeu ou les règles du jeu. Par contre, si nous allons lier à ci-dessous laws.worldrugby.org, nous sommes capables de sélectionner la page française pour être capable de voir toutes les règles du jeu. Alors, ceux qui sont les plus notables, loi numéro 3, le nombre de joueurs sur le terrain, un changement ou une différence entre junior et senior, c'est qu'on doit avoir 6 premières lignes, joueurs du première ligne dans une équipe de 22. Alors, aux lois senior, c'est pour une équipe de 23. Ensuite, World Rugby, évidemment, veulent avoir assez de joueurs dans la première ligne qui sont entraînés dans ces positions avec moins de joueurs pour être capables d'être des remplaçants. C'est vraiment juste pour essayer d'avoir plus de mêlées contestées par rapport aux mêlées simulées. Et en plus, on est capable d'avoir des remplacements de blessures par ce joueur qui était remplacé tactiquement avant le match. Alors, s'il y a un numéro 13, disons, qui vient de sortir du match, et c'est une substitution tactique, bon, on peut le remettre dans un match si le numéro 14 s'est blessé et doit sortir du match. Par contre, le numéro 14 ne sera pas capable de entrer dans le match après, plus tard dans le match, parce que ils étaient enlevés du match ou substitués ou remplacés parce qu'ils se sont blessés. Okay. Par contre, il faut être sachant que il y a plusieurs. J'ai mis le mot quelques, mais je pense entre certaines compétitions autour du pays, il y a plusieurs différences dans ces règles par rapport au numéro de changement qu'on peut faire dans un match. Alors, juste soyez à jour. Si vous arbitrez des compétitions au Québec ou en Nouveau-Brunswick ou au Terre-Neuve ou en Ontario, aux Prairies, etc., certaines compétitions auront des règles du jeu assez différentes, notamment dans ces instances de changement. Okay. Moi, numéro 5, par rapport au temps du jeu, un match à moins de 19 ans est de 70 minutes maximum, alors et 90 minutes par jour. Alors, j'ai mis la note ici de soyez au courant lors de la planification des tournois. C'est important pour qu'on sache si on joue deux matchs
Dans un jour, bon, si ce sont deux matchs de 45 minutes, ça nous donne 0 minute pour être capable d'avoir du temps s'il y a, comment dire, des points, les points égaux dans un match. Et la plupart des compétitions que je connais, en tout cas au niveau secondaire, ils ont des matchs plutôt de 60 minutes qui nous donnent 10 minutes de temps extra si on en a besoin au cas où il y a le même score à la fin de ces 60 minutes. Juste soyez au courant de tout ça. Finalement, loi 19, le mêlée, c'est ici où il y a le plus de différence, évidemment. Pour commencer, les joueurs de la première et la deuxième ligne doivent tous être entraînés dans ces postes. Alors, on doit avoir 6 joueurs de la première ligne qui sont capables de jouer avec une équipe de 22. Et la deuxième ligne, on a seulement besoin de 2. Par contre, ça sera bien d'avoir plus au cas où il y a des blessures. Parce que sinon, même si on a 6 joueurs de première ligne, si on a seulement 2 joueurs de la deuxième ligne et un se fait blesser, on doit aller au mêlée simulé. Alors, c'est un point important de se rappeler au cas où il y a comment dire, pas des conflits, mais que c'est pas clair pour certaines équipes. Il faut être sûr avant le match qu'on en a discuté avec les deux équipes. On doit avoir des joueurs correspondants en mêlée. Alors, il faut que ça soit 8 contre 8, ou 7 contre 7, ou 6 contre 6, dépendant de si on n'a pas assez de joueurs qui ont commencé le match, ou s'il y a des joueurs qui ont sorti du match par rapport aux blessures ou avec un carton jaune. On doit toujours avoir des nombres correspondants dans le mêlée. Et je vais discuter des situations différentes où on peut avoir 7 contre 7 ou 6 contre 6, etc. dans un instant, mais je vais juste terminer le point ici. Alors, on doit aussi, dans les mêlées à moins 19 ans, les reformer, une reformation de mêlée après que ça tourne à 45 degrés et non 90 degrés. Et en plus, il y a une limite de pousser 1,5 mètres d'une équipe vers la ligne d'en but de leur opposition. Alors, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même page par rapport aux lois différentes. Pour les mêlées simulées, il faut toujours avoir 8 contre 8, et ça, c'est la même pour les lois ou les règles du jeu senior ou adulte. Bon, alors, parce qu'il y avait des questions par rapport au numéro de joueurs dans un mêlée moins de 19 ans hier, quand on a fait la présentation en anglais, je vais juste retourner sur ce point-là. Alors, si, disons, il y a un joueur qui est sorti du mêlée parce qu'ils ont reçu un carton jaune, alors l'équipe bleue perd leur numéro 6 avec un carton jaune. L'équipe rouge doit aussi perdre un joueur du mêlée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est avoir le numéro 8 de chaque équipe, pardon, de l'équipe bleue entrer aux positions de 6 parce qu'on doit avoir le même nombre de joueurs sur chaque côté du mêlée. Et puis l'équipe rouge va avoir leur numéro 8 descendre dans la ligne derrière. Alors on va avoir une mêlée contestée avec 7 contre 7. Si disons en plus le numéro 8 de bleu se fait blesser, il doit retirer du match et il n'y a pas de remplaçant. Alors là, on peut avoir des mêlées de 6 contre 6. Alors là, le numéro 7 de bleu doit jouer aux positions de numéro 8. Et après, l'équipe rouge peut décider comment ils veulent leur troisième ligne, avec quel joueur ils veulent utiliser. Ils peuvent mettre le 6 et le 7 dans la ligne derrière et avoir le numéro 8 entrer aux positions de 8. Par contre, il faut avoir quelqu'un à cette position de 8 et pas de position 6 ou 7. Alors, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même page, on doit avoir la même nombre de joueurs correspondants dans le mêlée et il faut être en balance d'un côté du mêlée à l'autre. Et le minimum pour un mêlée junior en plus que senior, c'est 5 contre 5. Alors, avec pas de troisième ligne et seulement la première et la deuxième ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours
en mettre un pour la fin du présentation. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'arbitre? Ce sera un point qu'on va discuter pour la plupart de la présentation, mais le principe du santé des joueurs est à l'origine des variantes de moins de 19 ans de World Rugby, et c'est certainement le même cas pour nous avec Rugby Canada. Alors, en cas de doute, ce qui est important, c'est de toujours prendre une décision rapide du côté de prudence. Alors, on ne va pas voir nécessairement un exemple ici en temps de vidéo. Par contre, un bon exemple sera un roc qui a trop de joueurs au sol et qui n'est plus contestable. Alors, un roc avec le ballon en dessous de plusieurs joueurs, au lieu d'attendre et d'essayer de tout gestionner ou gérer pour bouger tous les joueurs au sol, et la possibilité de quelqu'un d'une équipe ou d'autre d'entrer et de mettre un coup de l'épaule dans quelqu'un qui est au sol, etc. Pour éviter tous ces problèmes, on va siffler assez vite pour dire, attends, c'est plus un roc contestable, on va l'arrêter et on va recommencer le jeu avec un mêlée simulé. Je sais qu'on veut essayer d'avoir un peu de continuité et plus de touches de ballon, etc. Par contre, dans ces situations fluides dans un match, on ne sait jamais comment un plaquage va s'arriver. Et si le plaqueur essaie, mais il ne peut pas bouger, etc., il y a un roc qui n'est pas formé bien, il y a des joueurs qui tombent au sol, etc., peut-être l'option, c'est un roc injouable ou non terminable, et on va recommencer avec un mêlée. Et finalement, on veut toujours soyez au courant de gestion de la commotion cérébrale de World Rugby. Alors, c'est une partie, une présentation qu'on doit avoir terminée, pardon, une module en ligne sur le site de World Rugby qu'on doit terminer avant d'être capable d'enregistrer avec Rugby Canada. Et évidemment, si on reconnaît des symptômes de commotion cérébrale dans un joueur, on les sort du jeu. Et ils ne peuvent pas retourner pour cette match-là. Finalement, juste pour nous tous rappeler, il n'y a aucune provision pour le protocole HIA au rugby domestique. Je suis allé sur le site de World Rugby pour être sûr que les lettres HIA, Head Injury Assessment, sont la même en français. Évidemment, ils sont. Apparemment. Alors, il y a aucune provision pour être capable d'utiliser ce protocole dans la compétition domestique. S'il y a une situation où on n'est pas sûr pour un joueur, on est obligé, on est tous obligés, que ce soit l'arbitre, les entraîneurs, les autres joueurs, etc., on est tous responsables pour être sûr que ce joueur sort du match. En ce qui concerne les variantes selon les groupes d'âge de Rugby Canada, on a un document qui est toujours en cours de sa mise à jour. Alors, ce sera diffusé à toutes les unions provinciales en mars et affiché sur le site de Play Smart to Jouer intelligemment de Rugby Canada. Là, il y aura plus d'infos sur comment ce document sera implémenté au cours du pays. La plupart des provinces vont l'utiliser, j'espère. Et puis, s'il y a des questions, ça sera diffusé par, l'information sera diffusée par les unions provinciaux. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les contacter. Évidemment, la santé des joueurs est à nouveau le principe directeur, notamment lors de l'introduction au contact. Alors là où c'est notamment au moins 13 ans pour la plupart du pays où on va introduire le contact, c'est là où on a ce principe de la santé des joueurs qui est au centre de ce que nous faisons. Et finalement, on a une approche dans ce document à la gestion du jeu et du développement des compétences qui soit centré sur les joueurs. Alors, l'effort ici, c'est d'être sûr que quand on gère un match ou on gestionne un match, que ce soit un arbitre certifié ou accrédité, ou que ce soit un entraîneur qui fait le match à moins de 13 ans ou moins, c'est qu'on a
un effort de vraiment utiliser ces principes de continuité, de touche de ballon et de santé des joueurs pour être sûr que on a une habilité pour le développement de ces compétences. L'autre, l'aspect de ce développement de compétences est au niveau disons, avoir des opportunités de concentrer sur ces aspects par des équipes individuelles. Alors, les règles du jeu dans ce document ou ces variantes seront assez flexibles. Alors, disons, on peut avoir une contestation des alignements dans l'air s'il y a une équipe. Même si, disons, moins de 15 ans, c'est permissable d'avoir ces contestations ou cette conteste dans l'air. S'il y a une équipe qui n'est pas confortable avec cette conteste, ils peuvent, avant le match, avoir une discussion entre les équipes pour être sûr que l'arbitre est sûr de ce que nous allons faire dans le match. Si les deux équipes sont d'accord, nous allons accepter que oui, c'était quelque chose qui était permissable. Mais on ne va pas permettre une conteste en l'air parce qu'une équipe n'est pas prête pour cette phase du jeu. Alors, ces règles et ces variantes se sont expliquées dans le document quand ça va sortir en mars. Alors, la raison pour laquelle nous sommes tous ici, l'arbitrage de ces variantes selon le groupe d'âge en action. Nous allons regarder quelques exemples ici. Nous allons commencer évidemment avec le mêlée. Le mêlée et le plaquage sont les deux phases du jeu où nous avons besoin d'un aspect de concentration de l'arbitre pour être sûr qu'on met les joueurs dans des positions sauf et que nous avons une bonne action positive dans ces phases de jeu. Alors, ici, nous allons regarder une bonne reformation du mêlée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le clip vidéo et après, nous allons en discuter après pour avoir une idée de pourquoi c'est une bonne action par l'arbitre, mais aussi qu'est-ce qu'il y avait comme action des joueurs qui méritait la décision ici. Okay. Alors, il n'y a pas de son. Mais en temps de regarder les actions, on peut voir pourquoi il y avait peut-être un problème. Alors, on voit que le mêlée a tourné 45 degrés. Je pense que c'était la première ou deuxième mêlée du match ici. Alors, l'arbitre a fait une décision très, très vite pour arrêter le match et reformer le mêlée. Nous allons retourner pour discuter pourquoi il y avait ce problème, mais on va voir dans quelques minutes les critères ou les actions qu'on peut essayer d'avoir dans les joueurs pour être dans une place d'avoir plus de succès. Ici, c'est un exemple d'une très bonne gestion de mêlée et nous allons voir pourquoi après, mais voyons ici. Alors, on va avoir l'arbitre qui a un mêlée qui est terminé assez vite, malgré le fait que ça a tourné. Il n'y a pas de problème ici. On est à un niveau où on peut continuer le match. Et en deuxième mêlée. Et ce que j'aime bien, ce que l'arbitre a fait ici, c'est de communiquer avec les premières lignes et les joueurs dans le mêlée de ce qu'il y avait peut-être comme problème dans le mêlée suivant, précédent. Alors, ce mêlée ici, peut-être, on espère avoir plus de succès. On a une petite discussion. Et on regarde les actions des joueurs. Et nous avons une mêlée très positive. Alors, On veut voir, on veut toujours essayer d'avoir des bonnes images, un bon mêlée. Alors voici une bonne mêlée ici, avec des bons positionnements du corps, etc. Les joueurs sont dans une bonne position pour pousser droite.
de bonnes images, de joueurs qui poussent droit ici. Alors, on va re-regarder ces images ou ces vidéos, mais pour commencer, on veut nous préparer pour avoir le succès. Alors, ça veut dire qu'on veut concentrer sur la stabilité avant de passer d'un appel à l'autre. Alors, avant de flexion à lier, on veut attendre qu'il y ait une bonne stabilité, une bonne stabilité entre tous les joueurs. Et après, lien à jeu, on veut avoir encore une bonne stabilisation du mêlée. Et puis après jeu, on veut avoir une bonne stabilisation du mêlée avant que le ballon y entre. Okay? Alors, si on regarde, qu'est-ce que ça veut dire avec cet aspect stabilité et de concentration? Ici, on a une mêlée qui commence avec le jeu et les pieds ou les jambes qui sont un peu plus étroits que peut-être on veut dans une mêlée. Mais on avait déjà comment dire, le momentum là, des joueurs qui poussaient vers le pilier gauche de chaque équipe et qui est fait pour tourner le mêlée avant même que le ballon y soit entré. Alors là, ici, peut-être c'était une bonne, ça sera une bonne opportunité de reformer, arrêter le jeu et reformer le mêlée avec une directive aux équipes d'essayer d'être droit, tout droit, et stable avant que le ballon y entre. Ouais. Ici, dans le premier mêlée, c'était peut-être un aspect du fait qu'on n'avait pas assez de stabilité entre lien et jeu. Alors, si nous regardons, je vais essayer de arrêter la vidéo ici, si je peux trouver mon... Voilà. Alors, quand on revoit le mêlée, le premier mêlée ici, ce que nous allons voir, c'est que le talonneur et le pilier droite, ils entrent pour rouge, pardon, ils entrent peut-être un peu plus vite que le pilier gauche de rouge, ce qui nous donne une image qui n'est pas très stable. Et c'est peut-être pour cela qu'on a un mêlée qui tourne presque plus de 45 degrés avant que le ballon y sorte. Comme j'ai dit, c'était une très bonne gestion de mêlée ici par l'arbitre parce qu'il a bien connu qu'il y avait un problème dans ces images. Il a travaillé pour rectifier le problème. Et là, pour la deuxième mêlée, ici, on a beaucoup plus de succès. Beaucoup plus de stabilité entre lien et jeu. Pardon, lié et jeu. Et plus de stabilité avant que le ballon y entre. Tout le monde est, il pousse droit, on arrête à 1,5 mètre, le ballon il sort. Et finalement, il y avait le bon exemple ci-dessous. Alors, la gestion de l'alignement. Voici un exemple d'une très bonne gestion. Alors, ce que je vais faire en fait, c'est de nous donner les critères pour notre préparation du succès avant, parce que ça sera plus facile quand on revoit les vidéos ici pour être clair sur ce que nous discutons. Alors, pour commencer, on veut établir deux lignes claires. On veut s'assurer que les joueurs sont bien placés et qu'on garde un bon écart. Alors, dans le premier exemple ici, on a un très bon exemple d'une arbitre qui travaille fort pour être sûr que tous les joueurs sont bien alignés. Il y a une discussion par rapport à où on doit être avec les joueurs d'avant l'alignement. Ils sont bien placés. Et on veut une bonne écart entre les deux équipes. S'il y a un point de discussion, ce serait peut-être que le talonneur défensif n'est pas nécessairement assez proche, mais bon, à part de ça, je pense qu'on a un bon alignement des joueurs. Aussi, ce que j'aime bien, c'est la gestion de l'alignement en tant qu'on laisse le ballon sortir et on laisse pardon, le jeu continuer, même si ce n'était pas tout à fait droit le lancement du ballon. Il faut se rappeler de pourquoi on est ici. On est ici pour recommencer le jeu. On veut plus de touches de ballon par les joueurs et on veut que
on a cet aspect de continuité. L'équipe en gris ou en blanc conteste pas le ballon. Pardon, ils contestent le ballon. Est-ce qu'ils avaient une chance de contester? Oui. Et on a une opportunité ici de continuer le match. Je pense que ça, c'est un aspect de l'arbitrage qui était très, très positif. Les actions déloyales. Alors, une des raisons pour laquelle on veut deux bonnes lignes droites et deux lignes claires, c'est pour être capable de voir ce qui arrive entre les deux équipes quand ils montent. Alors, j'aime bien ce que l'arbitre a fait. On est à un niveau national ici avec deux équipes provinciales. Alors, il y a beaucoup de travail par les arbitres, même après une discussion avant le match, pour être sûr que tout le monde est est clair par rapport à ce que nous voulons voir. Alors, il y a un aspect dans le rugby aujourd'hui où on voit le premier joueur ici de l'alignement et peut-être le dernier même se placer dans la ligne et après les autres joueurs, ils montent. Ils marchent dans la ligne pour ensuite monter pour contester le ballon dans l'air. Ce que nous aimerions, c'est d'avoir toute la ligne claire avant que le ballon va être lancé dans l'alignement. Est-ce que dans un instant où le ballon soit sorti du terrain et juste avant le lancement, il y a tous les joueurs de blanc ici qui monte en même temps dans l'alignement et la conteste dans l'air, c'est immédiat. Je pense pas qu'il y a un problème. Par contre, là où on a quelques joueurs qui sont dans la ligne, quelques joueurs qui ne sont pas dans la ligne et on n'est pas clair de qui le receveur il est, je pense là on doit arrêter le jeu et on doit être sûr que non, on attend lancer le ballon jusqu'à ce que la ligne soit claire. Il y a une bonne écart dans la ligne. Et ici, on voit, c'est pas trop, c'est pas beaucoup, mais une bonne jeu d'avantage ici par l'arbitre. Alors, on voit l'équipe, le joueur en bleu qui monte pour contester le ballon dans l'air, mettre le main intérieure sur l'épaule pour tirer le joueur en blanc qui a contesté et gagné le ballon. Alors, c'est une action assez minimale, mais qui risque d'avoir mettre le joueur en blanc dans une position dangereuse. Alors, pour établir là où on veut être sûr que les joueurs soient clairs sur le jeu déloyal, on a zéro tolérance, on doit être sûr que la contest du ballon soit dans l'air. Est-ce qu'on peut avoir du contact dans l'air? Absolument. Certainement, il peut y avoir du contact dans l'air. Dans les alignements, on veut être sûr, c'est parce qu'on vient de contester le ballon. C'est pour ça. Alors, la prochaine phase du jeu, on veut être vigilant et la gestion du plaquage. Alors, comme j'ai dit, on va regarder certaines aspect de comment nous on peut nous préparer pour avoir le succès. Alors pour commencer, on veut être ballon en ligne là où on peut pour être bien placé pour voir l'action. Alors le point de contact des joueurs dans la situation de plaquage et finalement évidemment avoir cette idée de zéro tolérance pour le jeu déloyal. Alors dans cet exemple ici, malheureusement, on voit pas l'arbitre juste pour commencer, mais on voit le plaquage haut et le joueur qui tire, la défendeur qui tire le porteur du ballon, la porteuse du ballon au sol, au-dessus de la ligne des épaules. Alors, ce que nous aimerions bien voir ici, c'est le point de contact. Alors, le point de contact par 11 bleu est clairement au-dessus de la ligne des épaules du porteur. De la porteur du ballon. Elle complète le plaquage par avec ses mains au-dessus de l'épaule. C'est une situation où nous avons plusieurs plaquages hauts. C'est dans le jeu assez désorganisé où il y avait une brise de la ligne. Et il y a des défendeurs qui essaient de couvrir pour peut-être une plaquage qui était ratée plus tôt. Alors ici, on a le numéro 11
qui traverse le terrain et qui se met dans une position très haut pour compléter le plaquage et qui, après avoir un peu d'action par la porteur du ballon, se met dans une position de commencer le plaquage très haut. On va voir l'arbitre qui vient dans l'image pour faire la décision. Ils ont l'air d'avoir eu une très bonne vue de l'action négative ici. Alors, je pense que l'arbitre était bien décidé d'avoir juste une pénalité. Personne n'était blessé. Ce n'était pas autour du cou nécessairement ou forcément par le joueur en bleu. Alors, je pense qu'on avait une bonne décision ici. Qu'est-ce qu'on veut, comme on en a dit, on veut des bonnes images. Alors, une bonne image d'un plaquage ici par 11 verts contre 11 rouges. Alors, je sais, il y a peut-être un petit instant ici, un petit instant où on lève le joueur ici en rouge un petit peu au-dessus du sol. Par contre, je pense qu'on a bien fait. C'est numéro 11 vert ici a bien, comment dire, continué avec leur mouvement en avant avec leurs pieds. Alors, ils ont continué à pousser en avant ou à marcher en avant tout au long du plaquage pour être dans une excellente position pour mettre 11 rouges au sol d'une manière sauf et pour eux d'être sauf aussi par rapport au fait qu'ils ont tombé sur le joueur et non pas en dessous du joueur. Alors, l'autre aspect qu'on veut bien voir ici, le fait que le plaqueur soit très bas, ils ont mis leur tête à l'extérieur du plaquage, ils ont bien retiré ou tiré les jambes du plaqueur et tout était très sauf ici dans un contexte de rugby. On doit être sûr que est-ce que c'est l'image optimale qu'on veut toujours voir, non. Mais on doit être conscient du fait que c'est un match de rugby et il y a toujours des situations assez fluides. Est-ce qu'on a bien vu une technique de plaquage par 11 verts pour commencer? Absolument. La situation fluide a dit que l'action positive qu'ils ont pu faire le mieux pour être dans une position sauf sera de continuer de bouger en avant et de pousser en avant avec leurs jambes, ce qu'ils ont très très bien fait ici dans ce cas-là. Alors, juste pour nous faire rappeler, on veut avoir cet aspect de zéro tolérance pour le jeu déloyal et finalement, on veut être bien placé en ligne du ballon pour être capable de voir l'action et les aspects de contact. Finalement, comment est-ce qu'on joue l'avantage? Alors, ce qu'on veut faire, c'est on veut revenir. Qu'est-ce qu'on veut voir dans ces matchs à moins de 19 ans, moins de 17 ans, moins de 15 ans, etc. Cet aspect de continuité, l'aspect d'avoir plus de touches du ballon et évidemment la sécurité. Alors, voici un exemple d'une très, très bon avantage. J'ai pas mis un exemple d'une mauvaise avantage, malheureusement. Par contre, quand nous discutons, essayons de voir pourquoi est-ce que c'est une bonne avantage. Alors, voici un exemple d'un très, très bon avantage. Est-ce que c'était peut-être plus vite ou terminé plus tôt qu'on l'aura terminé dans un match senior, peut-être. Mais on a vu tout ce qu'on avait besoin de voir dans cet avantage. Alors, pour commencer, il y avait l'équipe, pardon, dans le match, presque toutes les pénalités étaient prises vite. Alors, les joueurs de chaque équipe, quand il y avait une pénalité, ils allaient vite sur du marque pour continuer le match. Bon,
Alors, dans ce cas-là, l'arbitre, elle savait que si je joue des avantages assez vite, on va avoir la même résultat que si nous complétons l'avantage plus tard. Par contre, si on doit revenir parce qu'on attend trop long pour avoir un avantage terminé, en fait, on arrête le jeu pour quand on n'a pas forcément besoin de terminer ou d'arrêter le jeu. Alors là, la deuxième chose qu'on a vu, c'est que est-ce qu'il y a dans certaines situations de jeu peut-être des aspects moins clairs où on pénalise peut-être, mais ça c'est un bon exemple d'une pénalité qui est très 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 claire. Le ballon est encore en dessous des jambes du joueur en blanc, on n'a pas encore retiré le ballon et il y a la joueur en vert qui est venu hors jeu pour jouer le 9 de blanc. D'accord. On a bien fait par l'arbitre d'être très patient. On joue l'avantage. Et après l'avantage, après deux brises de ligne, c'est fait jouer. Je pense que ça, c'est un excellent exemple d'un avantage très, très bien joué. La deuxième chose que je voulais voir, ou vous voulez mentionner, c'est que le fait, oui, on avait un plaquage ici. Il y avait le plaqueur qui est sorti très, très vite. Excellent. Mais comme j'ai dit avant, au tout début de la présentation, juste parce que le plaqueur, elle sort très vite, ça ne veut pas dire que le ballon, il va sortir vite. Par contre, on a un rock qui est très clair, qui est très simple et qui est facile à gérer ici pour l'arbitre. En mars, nous allons avoir une discussion de positionnement, un aspect que cet arbitre a bien travaillé pendant les dernières quelques années, mais un exemple d'avantage excellent. OK. Alors, quelques notes pour nos entraîneurs d'arbitre. Alors, juste des questions, je pense, pour ces entraîneurs d'arbitre pour demander à nos arbitres quand ils font une planification de match ou un plan de match. L'arbitre a-t-elle une bonne idée de ce que nous voulons voir dans ces matchs? Alors, est-ce que dans leur planification, ils ont parlé de ces aspects de continuité, de touche de ballon, du ballon? Et de la zéro tolérance du jeu déloyal pour être sûr qu'on a cette concentration sur la santé des joueurs. Leur approche, est-ce que cela laisse de la place à la flexibilité technique? Alors, si nous regardons l'exemple de la clip vidéo où il y avait cet avantage pour leur jeu ou l'entrée du côté du rock, c'est un exemple très très clair. C'est très évident à tout le monde que c'est une pénalité. C'est là où on veut être sûr on donne un coup de sifflet ou on joue un avantage. Souvent, dans certains matchs, on voit certaines décisions prises qui étaient pas trop claires. On aurait pu peut-être gérer ces situations pour arrêter les joueurs d'entrer dans ces situations ou de les pousser un peu plus derrière la ligne d'enjeu, etc. Alors, le clip de vidéo sur cet avantage était exemple excellent du fait qu'on veut avoir ces décisions super claires. Et finalement, est-ce que la santé du joueur est un objectif clé de cet arbitre et comment ont-elles priorisé la santé du joueur? Alors, quand on parle de prioriser la santé du joueur, ce que je veux dire, c'est. Oh, pardon. Alors, dans cette formulaire, quand on fait notre évaluation après match ou post-match, on a un focus ici sur cette partie de tolérance zéro pour le jeu déloyal. Alors, un aspect qu'on veut vraiment être sûr d'avoir comme idée pendant notre planification de match, etc. Pardon, je vais juste retourner ici. Excellent. OK. Alors, juste pour nous rappeler, on a cet aspect de zéro tolérance pour le jeu déloyal. Alors, la santé du joueur est un aspect important. Alors, les ressources qui sont disponibles. On a la guide d'application des règles du jeu de rugby Canada de 2017 et on a les règles du jeu de World Rugby qui sont
disponible à nous. Alors, on a le site YouTube ici avec tous nos clips de vidéos et ça nous donne des exemples d'un plaquage dangereux qui est une pénalité seulement, des exemples où il y a un carton, des cartons jaunes et des exemples de cartons rouges. Alors, si vous continuez à YouTube, on met Rugby Canada Communication dans pour chercher la page et après dans le playlist ici, c'est là où nous allons voir nos exemples. Et pour toutes nos ressources, ils sont disponibles ici sur le site de Rugby CA, là où on a notre. J'ai ici développement d'arbitre sur le lien ici. Ça nous amène au site de développement d'arbitrage et on a toutes nos ressources qui sont ici. Bon, voilà. Et c'est là la présentation sur l'arbitrage. Les variantes de jeu selon les groupes d'âge. Si vous avez des questions, je suis ici pour quelques minutes encore, au cas où. Et sinon, nous allons vous voir encore dans juste 3 semaines, je pense, moins d'un mois, pour discuter le positionnement. Je pense pas qu'il y a des questions ici maintenant. Alors, nous allons laisser terminer la présentation ici. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une bonne reste de la semaine. Merci.